Bonjour, bonsoir à tout le monde. Bienvenue sur Tiaka News. Tiaka News TV, qui c'est une chaîne YouTube qui est là pour parler vraiment de toute bagaille, mais avec précision. Donc, c'est pas pour ça raison. Nous, il est Tiaka. C'est un Tiaka parce qu'il y a un paquet de mélange. On va prendre tout son aimé sur channel YouTube. Ça. Mais je dis à nous porter pour vous première rubrique sur channel là qui est les biographies. Biographie qui c'est une rubrique hein, qui permet de connaître plus de personnalités qui dans le monde artistique là, qui dans le monde cinématographique là, dans le monde sportif là, donc etc. Et puis mon affront bagay positif, eh bien on est capable de jouer dans la rubrique ça biographie côté que nous parlons de lui, nous permet de connaître plus bagay de moi ça. Donc jodi a nous venons avec un joueur haïtien qui a joué en France qui est Franzi Pierrot. Donc nous venons présenter Franzi Pierrot, nous venons faire biographie de Franzi Pierrot. Et bien si quelque bagaille ou pas connaît ou tout connaît sous Franzi Pierrot dans la rubrique ça qui c'est biographie. Ok, nous retournons, pas oublier nous sur Tiaka News TV et nous suivons la première rubrique sur channel ça qui est les biographies, une rubrique qui permet de connaître plus de bagailles de un paquet de personnalités. Je vous dis, nous portons pour vous un joueur haïtien qui a joué en France, qui est le Franzi Pierrot. Donc, nous venons faire une biographie Franzi Pierrot et nous allons connaître plus de bagailles du joueur haïtien ça. Franzi Pierrot, c'est un attaquant de nationalité haïtienne, j'aime tout dire d'aller à là, qui fête le 29 mars 1995 dans la ville du Cap. Donc, Franzi Pierrot a seulement 24 ans. Depuis tout petit, à l'âge de 7 ans, dans la ville du Cap, football était toujours une véritable passion Franzi Pierrot. Et, contrairement à quand pile l'autre joueur haïtien, les petits moun et puis les parents qui ont aimé faire carrière dans le football, pareil, toujours très réticent, très sceptique. Mais bonne chance pour Franzi Pierrot. Papa, depuis tout petit, t'es toujours un monde qui t'a encouragé le jeu football. Ok? Il était toujours là pour Franzi Pierrot, pour t'a encouragé le jeu football. Et bien, c'est comme ça, à traverser dans le pays États-Unis, Franzi Pierrot a continué le jeu football pour une académie qui est les Six Coast United. Et c'est là l'été joué chance en jouer devant un paquet de gros clubs tant que Revolution, New York Red Bulls, pour nous citer ça seulement. C'est comme ça grâce à talent, Franzi Pierrot surnommé le Lukaku haïtien pour sa corpulence. Tu as joué un full scholarship, ça veut dire un boost d'études complet dans une université dans le pays États-Unis. Là, c'était une belle occasion pour un mariage sport plus études. Eh bien, avec ses belles performances, Santeca dit ses performances hors pair à l'université, le Lukaku haïtien avait été drafté par le Colorado Rapids dans la MLS en 2018. Mais tout rêve Franzi Pierrot, c'était plutôt aller jouer en Europe. C'est Europe là qui était intéressée. Donc, pendant qu'elle était prêt à signer avec le club première division américain Colorado Rapids, là, il y a deux agents joueurs qui débarquent et convainquent Franzi Pierrot pour lui jouer en Belgique plutôt. Ok? Ils convainquent pour lui aller jouer en Belgique plutôt. Franzi Pierrot est accepté parce que c'est Europla qui était intéressé. Même si jouer dans MLS là, t'as pris une bonne opportunité tout pour lui. C'est comme ça que Franzi Pierrot est plutôt allé jouer en Belgique pour lui signer avec le club première division belge, ça qui est le Royal XL Moscou. Mais ça n'a pas arrêté là. Suite à bon performance, li, t'es affiché en club et en équipe nationale, tout. Gagné l'an avant Guingamp, qui est un club deuxième division française, qui était approché joueur et aussi signé pour 4 ans le 22 août. 2019. Ça veut dire que moment m'a parlé ensemble à voir dans la Franzi Pierrot, c'est un joueur guingant et déjà de commencer à marquer goal et même fait passe décisive. Ça veut dire Franzi Pierrot adapté bien rapide en France. Là encore, très content pour lui.
En équipe nationale, Franzi Perrault joue premier match avec Haïti le 10 septembre 2018 contre l'équipe Saint-Martin. Dans le match, Franzi Perrault a fait 2 goals et livré 2 passes décisives. Même si ce n'est pas un match officiel parce que Saint-Martin n'est pas affilié à la FIFA. Franzi Perrault a continué avec bonne performance en équipe nationale, ce qui a mené dans le dernier Gold Cup avec la sélection haïtienne. Franzi Perrault n'est pas mauvais du tout dans le Gold Cup. D'ailleurs, il était même entré un peu dans l'histoire de la sélection haïtienne en Gold Cup après précieux doublé ça a été marqué contre l'équipe Bermude. Le match a été joué le 16 juin 2019. Ok? Eh bien, après doublé ça, le Lukaku haïtien vini deuxième joueur haïtien qui marqué un doublé dans la phase finale Gold Cup après Jean-Hugues Maurice. Parce que pour l'histoire, Jean-Hugues Maurice t'a marqué doublé par là dans Gold Cup 2013 là face à Trinidad. Donc Franzi Perrault lui-même c'est deuxième joueur là qui marqué un doublé dans un Gold Cup pour Haïti après Jean-Hugues Maurice. Qui est-ce qui idole Franzi Perrault? Idole Franzi Perrault. Question ça pas ta supposé trop difficile à répondre si n'a pas bien parce que idole Franzi Perrault par l'autre que le joueur belge qui joue actuellement en France à l'Inter de Milan qui est le Romelu Lukaku. Donc c'est Lukaku qui véritable idole Franzi Perrault. Et c'est pas pour sa raison Yorelil. Il est surnommé le Lukaku haïtien. Et Lukaku fait 1m91 et je crois que Franzi Perrault lui-même c'est 1m94. Lukaku a gagné 26 ans, Franzi Perrault a gagné 24 ans. Donc c'est idole Franzi Perrault, c'est derrière Lukaku en pile et il était même joué dans le pays Lukaku parce que Lukaku c'est un Belge et Franzi Perrault qui passait tout en Belgique avant d'être atterri en France. Qui est plus grand Franzi Perrault l'aller fin jouer football après carrière football? Eh bien Franzi Perrault avoué après carrière football l'état aimé venir un agent détective FBI. Voilà, c'est un gros rêve. Il a encouragé Franzi Perrault parce que le rêve, c'est au même qu'il peut faire réaliser en posant des bonnes actions, en posant des actions positives dans tout sens. Donc, travail pour le rêve Franzi Perrault et nous espérons well comme un agent détective FBI. Ok, c'est un futur agent détective FBI qui l'a. Donc, Franzi Perrault, qui est là? C'est rêve de ça, c'est rêve la caresser, les fin de jouer football, l'espérer que rêve ça a réalisé. Voilà mes amis, c'était tout pour la biographie de Franzi Perrault. J'espère que nous t'ai apprécié tout ça nous dit et nous t'ai marqué autour parce que il y a un pile d'années qui viennent de Franzi Perrault. Et bien je dis à nous connaît un pile bagaille de lui. Je dis à c'était Franzi Perrault ou même qui t'a aimé nous faire biographie en l'autre personnalité qui aurait mis en pile, pas de problème. Commentez en bas vidéo ça, dit mais qui monde ou t'a aimé nous faire biographie et puis nous travaillons sur ça pour nous satisfaire. Voilà, c'était en Chaka News TV ou t'as suivi la première rubrique sur channel ça qui c'est biographie. Et nous avons dit pour like vidéo, commenter et puis partager vidéo avec un peu de monde pour être capable de connaître les joueurs plus bien et puis l'autre personnalité nous parler de yo pour être capable de connaître plus bien. Donc partager vidéo, faire mon connaître une belle rubrique sur ce channel là qui c'est biographie. Donc pas oublier abonner à la chaîne là et puis l'autre abonné cliquez sur la petite cloche là pour qu'elle donne toutes notifications à chaque fois que vous avez une nouvelle vidéo. Si vous êtes abonné, pas de problème, invitez vos amis pour les abonner à la chaîne là. Allez, rendez-vous à la prochaine pour une autre